Je crois que je suis à nouveau à portée du panorama. Je pourrais essayer de trouver l'endroit où l'image a été prise. Je pourrais griller cette machine avec de l'électricité.
sûre cette ligne verte se vendra bien. Il y a un autre creuset avec les boules de cette machine. Huh?
Le feu me sera inutile contre ça. Je donnerais ça à un teinturier.
L'acide lui ferait de gros dégâts. Je vais avoir du mal à me repérer avec la neige. Comme ça? Oh! T'es pas en train de frapper au marteau, Erend? Vas-y, gentiment. Tu vois, mes grosses paluches sont pas vraiment précises. Recommence. Trace la ligne. Vers la droite. L'autre droite. Je viens de le voir. À l'œil, il l'a trouvé au nord, celui-là. Je l'ai. Ça s'appelle un concret pitch party, un truc du genre. Ah ouais, sacrée musique. Aloy ! Erend, t'as l'air en forme ? Et tu es là ? Le monde courrait à sa perte si t'étais pas là. Si on apprend assez, on pourra sûrement t'aider. Et tu as besoin de toute l'aide possible. On doit encore beaucoup s'entraîner, bien sûr. Non, on ne devient pas chasseur en un jour. Chaque graine germe à son propre rythme, mais finit par fleurir. Je t'informe que ton ami Tenak est là. Kotalo.
On raconte que leurs guerriers boivent du sang. Vaut mieux dormir que d'un œil. Je crois qu'il a vu assez de sang pour toute une vie. Je lui ai montré l'une des salles. Il aime bien avoir son intimité. On dirait que vous contrôlez la situation. Je dois apporter ça à Gaïa. Bien. On va continuer et apprendre aussi vite que possible. Je vois déjà des glyphes dans mes rêves. Eh bien, pendant que vous vous promeniez un peu partout, j'ai cherché des informations sur les dieux de la Terre avec Gaïa. Et d'ailleurs, je pensais qu'on devrait s'entraîner ensemble. Par ici. D'accord. Et donc, c'est Héphaïstos. C'est un peu le forgeron personnel de Gaïa. Oui. Bienvenue, Aloy. Quand tu seras prête, tu devras me fusionner avec Aether. Ensuite, il faudra que je te parle de quelque chose d'important. Alors, de quoi tu voulais parler ? Durant ton absence, j'ai reçu une transmission inhabituelle sur ma fréquence Illiti dédiée. Illiti, c'est l'une des sous-fonctions que tu ne détectais pas avant. Oui. La transmission était si faible que j'ai d'abord cru à un regroupement de données accidentelles perdues au milieu des ondes. Une fois cette irrégularité repérée, il m'a fallu du temps pour collecter l'ensemble du message. Où est-ce qu'elle mène ? À une montagne au nord-ouest de ce complexe. Je dois t'avertir, Aloy. Il se peut que cette transmission soit authentique. Il est aussi possible que quelqu'un ou quelque chose d'autre en soit à l'origine. Tu ne penses pas qu'il s'agisse d'Illiti ? Je n'en suis pas sûr. C'est quoi, SOS ? C'est un code de l'Ancien Monde. Un signal de détresse. Un appel à l'aide désespéré. Très bien. Je vais à ses coordonnées et je vérifie d'où vient la transmission. Toute seule, tu veux dire ? Pas question. J'ai inclus Eren Devarl dans cette conversation via leur focus. Et je suis également d'avis que tu ne devrais pas y aller seule. Et si c'était un piège ? Bien sûr que ça peut être un piège. Mais si c'est vraiment Illiti, c'est qu'elle a des ennuis, donc il faut que je la ramène. Vous en faites pas. Je serai prudente et... On vient avec toi. Bon. Allez vous préparer. On t'attendra à la sortie ouest, si tu veux un moment pour t'équiper.